C'est au cours d'une rencontre entre les patrons du ministère de la Santé et des Affaires sociales et les entités sous tutelle que le docteur Guy Patrick Obiondo a fixé le cap pour l'année 2023. C'est donc à l'examen des orientations et des actions relevant de notre département ministériel et dont vous êtes les acteurs de mise en œuvre que je tiens à vous interpeller solennellement pour que chacun s'investisse inéluctablement à leur concrétisation. Les principales actions à mettre en œuvre portent notamment sur l'amélioration de l'offre de soins avec l'opérationnalisation des régions et départements sanitaires matérialisés par l'achèvement de certains chantiers en cours. Parmi les instructions données aux directeurs généraux des structures hospitalières, on note l'organisation future d'une caravane de médecine itinérante. Il y a des activités au niveau des régions qui se font déjà. Là, nous avons déjà, comme l'année dernière par exemple, dans la région sanitaire nord, nous avons lancé cette médecine de proximité au contact de la population. Nous allons renforcer suite aux instructions de M. le ministre. Toutes ces actions ont in fine la mission de mettre en application la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à offrir aux populations des soins médicaux de qualité.